Salut tout le monde, c'est Lily. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Nier. J'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'habitude. Aujourd'hui on essaye de pas perdre Emile encore une fois, mais il est long. Il est long et j'ai pas de patience. C'est compliqué. Mais bon, entre nous, son pouvoir il est cool, mais il fait comme son nom. Donc il m'aide pas. Là vu le nombre de monstres qu'il y a et la taille que ça a l'air d'être ici comme labyrinthe, je sens qu'on va le perdre. Je sais pas ce que ça fait quand on le perd. J'ai pas envie de savoir. Je veux commencer ici. Allez, viens Emile. Allez. Ah, c'est une porte ça. Est-ce qu'on va encore gagner un niveau? J'ai des mauvaises langues la dernière fois à dire que il y avait beau avoir beaucoup d'ennemis, je ne prendrai pas de niveau. Allez, on va en prendre une, comme ça on pourra récupérer celle-ci. Mais j'ai forcément envie d'aller partout en fait. C'est que des trucs à casser. Ouais. On a déjà trouvé la nouvelle carte magnétique quoi. Incroyable. Eux, ils ont clairement servi à rien. Ah, je peux rentrer par là aussi. C'était trop facile d'avoir trouvé notre carte magnétique. Allez, Emile. Là, c'est parce qu'il y en avait une autre à trouver encore. Oh là, allez. Ok. Ah bah elle est là. Ah, j'ai cassé les trucs à travers le mur. On est trop balèze. Allez Emile, tu gênes là par contre. Là je te perds pas mais... Ouh. Là je te perds pas mais... Ouh. Mais tu gênes. Tu vas mourir assez vite toi s'il te plaît. Aïe. Même pas mal. J'attendais pas un malos comme ça ici moi. On va reprendre une. Soyons fous. Ah. Jamais tranquille ici, c'est incroyable. Et du coup, c'était ici. Ah. Allez, Emile. Ah, donc je suis pas folle pour la couleur des cheveux. La conférence d'aujourd'hui abordera pardon, les sujets suivants. Entreposage à long terme de numéro 6, compte rendu sur numéro 7, camouflage des bâtiments externes du laboratoire en les transformant en manoir. Project number 6. Was this some sort of weapons laboratory? Pas vraiment des armes, non, je crois pas. Something from the old world, I guess. What was I doing here? I have doubts as to whether or not Emile will be able to continue. I'm fine. Let's just go. Mais ça s'arrête jamais cet endroit. Bon, c'est pas très compliqué, hein, en soi. Et ça me sert à quoi de venir là? À rien. À rien, clairement. Vas-y, cette arnaque là. Ah, y a pas un petit chemin? Non. Non. En plus, toutes ces chambres et tout, machin, c'est perturbant. On va découvrir des trucs sur Emile, pas très ouf. Pauvre garçon. Oh, on se calme.
Comment ils sont en train de me sauter dessus. Putain, l'XP à gogo, là, j'adore. Allez, bim. Allez, bim. Et heureusement qu'on doit pas maintenir Emile en vie. Hein. Mais j'aurais recommencé plusieurs fois, je pense déjà. Y a rien dans les bureaux. Et ça devient chelou. Hein. Je peux grimper ? Je peux pas, c'est pas drôle. Ah, je les ai en combattant les ennemis du coup. J'avais pas vu ma vie. Oh, on va se calmer. Si je vais mourir sans m'en rendre compte, je vais dire ah merde. Ah, on a rien vu. Non, par contre là vous êtes chiant. En vrai. Je sais où je suis. Il y a un problème, voilà, je ne voyais plus. C'était un peu embêtant. Et je vais aller vers eux en premier, ils sont chiants. Vas-y, casse-toi. En disparaissant, tu me laisses pas. Ah, elle est là-bas. C'est bien périlleux ici quand même. Ah, j'ai des documents. Très bien, je pensais avoir la clé pour passer, mais. Alors, compte rendu sur le numéro 6 du 11 octobre 2025. Le donneur vivant Alua a été sélectionné parmi les 7 candidats et participera à la phase suivante. Afin de protéger les secrets d'État, les autres sujets seront éliminés. Cependant, le donneur vivant, Emile, sera entreposé par mesure de sécurité. Hey, Emile. You sure you're okay? I'm a... weapon? What does that even mean? It seems as if he's trying to remember something. You're going to be okay. Past makes no difference. We'll support you no matter what. At any rate, you would hardly be the first member of our merry band to have issues. Ah, j'ai la carte aussi. Ouais, enfin, je commence à prendre de la sympathie pour Emile, moi. Une save, pourquoi? Généralement dans ce jeu quand il y a une save je me sens pas du tout, alors pas du tout en sécurité ni sereine. C'est carrément l'inverse. Je suis censée me sentir en sécurité encore plus là. Il y a tout ça sous le manoir là. J'ai pas installé les nouveaux trucs, c'est pas grave, les nouveaux qualificatifs. Une save et puis après un long couloir comme ça, je me sens vachement en sécurité, tiens. Ah, pour moi, c'est plus ça, Emile. La tête a l'air d'y ressembler un peu plus. I remember now. I remember everything.
voilà. Pour moi, c'est ça, Emile. We used to be humans. Normal humans. Just a bunch of regular human kids like you'd see anywhere. And then we came here. They wanted to turn us into weapons. So they used magic to perform terrible experiments on us. Eventually they succeeded. They managed to create a perfect weapon. The name of that weapon was Number 6. But soon they lost control of Number 6. And the experiment was deemed a failure. They had to create a weapon that could petrify Number 6 and seal it away. So they created me. I'm Number 7. I'm a weapon. Weapon or not, you're still just a meal to us. Thank you. Ouais, mais il y a quand même une save, il y a quand même un truc là accroché au mur. Qui... Au revoir. Il y a quand même un truc accroché au mur qui va me faire morfler. Et je le sens pas, mais je le sens vraiment pas. This is number 6. She's my sister. This thing is alive. C'est bien ça le souci. My sister is the greatest weapon ever made, and... Yes, what of it? With her power behind us, I could eradicate my petrification curse. T'es sûr? What do we do? First, you have to promise me something. Ah bah libérer tes pouvoirs, c'est sûr, mais je pense qu'elle va te massacrer en fait. If my sister... Pardon? ...somehow manages to swallow me up. My original self becomes lost. I'm afraid I may try to hurt all of you. And if that happens... No, don't! I want you to kill me. You have to get him out of there, now! Il va se faire engloutir par sa sœur. Sa sœur qui, pour moi, a le visage d'Emile. Donc, c'est bien Emile, ce truc. Ah merde, ça lui fait rien. Donc ça, c'est Emile. Soyons clairs. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça non plus. Ah, la... mais ta mère. La magie, ça marche. Oh, arrête de vouloir faire ça. Je t'ai rien demandé, moi. Oups! Je me suis jeté dedans là, j'ai kiffé. Aïe! Magic is the only way to damage this one. Non, les trucs comme ça, j'aime pas. Stop popping around and fight me! Je devrais laisser recharger parce que si après. Stay your weapons! Such attacks will hurt you as well! Ouais, ouais. How is magic any different? The lad is highly resistant to it. Then let's kill that thing with magic and get Emile out of there! Sheathe your sword. Blow from it would doubtless harm the boy. We must use magic to defeat this beast. J'avance un peu. Ok.
J'ai rien demandé, moi, de tout ça. On va se calmer. Hein. Emil, we're coming. Ah, même quand il tombe, il me fait. Oh, come back to us. C'est pas cool ça. Tiens. Vas-y, casse-toi. Je l'ai évité, tu mens. Je vais laisser recharger. Je laisse recharger parce que bon. Je suis devenue une pro. Je vais arrêter de faire la maligne, il va m'arriver un truc. Mais non, mais je vais l'esquiver, t'es pas drôle. Allez, allez, vise-moi ça là. Ah ouais, mais. Voilà pourquoi je voulais laisser recharger à la base. On va laisser charger à fond. Allez, attaque-moi. Je sais que tu vas le faire. La caméra a changé de plan toute seule. C'est un bon refaire. Hop. Et c'est long à charger à fond par contre. Hein. C'était pas le bon moment. Clairement pas. Mais j'étais pas dedans, tu mens. Là oui par contre, non. Je l'ai pas du tout visé là. Ah mais merde, il faisait pas ça tout à l'heure. Tiens. Bon pour l'instant je pense que je peux encore le faire une fois avant de le charger. Tue-moi. Salaud. Tiens. Tu vas me foncer dessus, je sais. Je sais. Je t'ai vu venir. Ah, regarde-moi bien, ouais. C'est en train. Je suis désolée, mais cette musique en plus, c'est le thème d'Emil. Et ça me fait vachement penser au magasin d'Emil dans Nier Automata. Si vous mettez ça en version accélérée, je trouve que ça ressemble au magasin d'Emil quand on le croise. My sister. Now get out here already.
Just a second. I can't see very well. No, don't! Don't look at me! Emil, what's wrong? Stay back! Même elle m'a dit de pas approcher, j'approche pas, hein, j'obéis. Good God. Non. Bah c'est pour ça que la musique a me fait penser du coup. Ah mais quand je pense que c'est le plus gros enfoiré possible de boss secret à faire dans Nier Automata. What did I tell you? We're here for you. Et du coup, c'est bien le Emil de Nier Automata. Oh, c'est terrible. Et non, mais après avoir fait Nier, faut que je refasse Nier Automata. Par contre, je vais devenir folle. Can you see my face? Ah, il faut que je refasse Nier Automata. You look just like I thought you would. J'ai jamais fait le boss dans Nier Automata, mais... Mais pourquoi Emil, du coup, il nous fout sur la gueule comme ça? Parce que j'ai vu la vidéo du boss comme ça avec Emil. Peut-être que je comprendrais beaucoup mieux Nier Automata en le faisant maintenant. Après avoir fait Nier. Ça va, il a accepté assez vite. I think I'm okay with it. I have the magic I wanted, and I can use it to bring Kainai back to life. Emil. We should hurry. She's waiting. I sure hope seeing me doesn't petrify her. You know, in fear. Ouais, parce que bon. J'apprécie le jeu de mots très drôle. I see this transformation has not stolen your terrible sense of humor. Je suis choquée. C'est bien. Du coup. Oh, mais ouais, c'est Emil, effectivement. Pour moi, Emil, c'est. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, c'est terrible. Enfin, non, j'ai grave envie de refaire Nier Automata. Faudra que je me le refasse de mon côté. Whenever I interacted with Kainai, I was reminded about something from my past. Maybe. My mind has been confusing her with my sister this whole time. Here we go. J'ai toujours pas regardé si on faisait l'autre choix, ce qui se passait comme ça. Avis, pas grand chose, on est obligé de le faire. Bah oui. The beast approaches. Oh, I got it. Retour en arrière là. Mais viens là, et quand t'attaques plus la merde. Là.
reste en dessous, je vais l'avoir tout de suite avant pas qu'il se dise. Choqué pour Emile, je vais pas m'en remettre. Alive. Stay alive. Stay alive. Grandma. Non. Kaine, you gotta live. You gotta come back to us. Still no closer to finding her. We need a way to locate the Shadow Lord. This is for you. Lunar tears. Did you make this? It's just a little welcome back gift. It's not much, I know. It's nothing like the one Grandma used to make, but... oh, hell. Thanks. Excuse me. Popola, we did it. We freed Kaine. That's great. Listen, can I talk to you for a minute? This doesn't make sense. Please, try to understand. People are tired and scared, and I'm sorry. I'm sorry you have to bear the brunt of that. It's crap. It's okay. We can sleep outside. No one's sleeping outside. You and Kaine saved this village, and now they want to run you out? People are afraid of us. And really, I understand. I mean, look at me. As long as you're still with us, I can deal with it. Right, Kaine? I'm used to sleeping outside. I'm sorry. We'll see you later. We're sorry. Ouais, bon, ils vont arrêter de venir dans le village, quoi, comme avant. Quand Kaine est resté à l'extérieur du village à chaque fois. What is the matter? Kaine always sleeps outside. I never thought about that until just now. How could I have not noticed that? How selfish am I? What the hell is wrong with me? We should turn in.
Ce serait quand même dommage. Devola l'a rien fait, quoi. Popola non plus. La colère n'accomplit rien, sauf dans Tale of Besseria. Mais je vois pas en quoi faire dormir Emile et Kainé dehors, ça les protège les villageois en fait. Bon. Ça va aboutir à quoi tout ça? Bah visiblement non. Non, menteur, t'as mal dormi, c'est pas vrai. Tu mens. Ok, on doit aller parler à Devola et Popola, très bien. Ça donnait quoi le potager 5 ans après? Faudra que je défriche tout ça. On est à combien de temps? Ben on est à 31 minutes. Et moi je peux faire une save. Je sais pas si je vais pouvoir faire des quêtes annexes sans déclencher des cinématiques. Donc je pense pas en faire tout de suite, on verra bien. Bon, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous.